Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est Tipar pour la présentation de Kirby et le Monde Oublié en version démo. On le retrouvera en full, le jeu complet, le 25 mars sur la Gata TV. Et là, c'est la démo, tranquille, donc deux modes, mode brise, mode ouragan. Et bah moi je suis en mode brise, c'est pas mal. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon bah voilà, super intro, rien à dire, c'était magnifique, ça met les bases dans le jeu. Là au niveau du jeu, bah ça a l'air de le faire. Donc là avec le joystick de gauche, je dirige mon personnage. Avec le joystick de 3, j'ai la caméra. Donc du coup j'ai pas mal, ouais c'est pas mal, hein. Franchement je peux faire ce que je veux. Si j'appuie là-dessus, les commandes, on va aller voir ensemble. D'accord, tac, j'appuie. Donc protection accroupie, se déplacer, abandonner pouvoir, sauter, attaquer, objet en stock. Ce qui peut être intéressant, commande de type A, commande de type B. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Avaler, auto-avaler. D'accord, donc on va voir. Tac, tac, tac. Donc je sais pas combien de temps dure la machine au niveau de la démo. Ok, et là je crash, d'accord. Donc là j'ai appuyé sur B. Là je peux sauter sur A. Voilà. D'accord, bon, pour l'instant j'ai pas grand-chose. Voilà le mode défense. D'accord. Super, allez c'est parti. Bon, au niveau du foliage, ça a l'air d'être correct. Hein. J'ai vu que ça sortit un peu en début d'intro là. Bon, après. Ça fait un peu penser à Mario. Dans le style là. Mais ça reste propre. Au niveau de la maniabilité, c'est correct. Bon là par contre, ouais, c'est pas terrible. Là on voit là. Je sais pas si vous avez vu. C'est pas top top top. Ok, j'avais récupéré ça. Donc là, je suis en train de me familiariser avec les commandes. Et je sais pas du tout combien de temps dure la démo. Parce que je viens juste de lancer cette démo. On verra. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Ah, là, il y a un truc. Du coup, je crois que... Attends, hop. Ok, j'avais pris un... comment on fait pour... Ah, d'accord. Donc là, pour voler... D'accord, je peux sauter... Ah, impeccable. Je peux voler. C'est nickel. Ça va servir tout à l'heure. Oh, putain. Ouais, ok. Bon là on est dans une sorte de... Par contre là je peux pas bouger la caméra tu vois. Là c'est un peu con. Là je peux rien faire. Pourtant on est dans un monde en 3D et je peux pas... Bon bref. Wouah toutou. Voilà comme ça c'est fait. Donc là j'ai appuyé sur B hein, pour info. Ok je mange et je peux recracher. Bon, pour l'instant c'est le basique. Je pense que ce niveau là il sert vraiment à prendre les commandes. Plus qu'autre chose, on n'est pas dans le game. Quand ça fait bizarre là, tu vois, tu t'écartes et du coup les arbres ils sont défaits et on voit un peu tout là. Bon, bref, un peu bizarre. Bon après on est sur Switch, hein. On n'est pas sur PS4.
Ah, par contre, là, on change de monde et c'est un petit peu plus radieux. Par contre, c'est très très coloré. Donc, c'est super appréciable. Au niveau des commandes, pareil, hein, c'est intuitif. Hein, là, tu vois, ça fait 2 minutes que je suis avec toi, je suis en train de jouer. Super intuitif. La musique est propre derrière. Le design est propre, ouais. Franchement, la DA est pas mal. Là, par contre, tu vois, si on s'arrête un peu, on a le flou derrière-plan, là, au troisième plan. Le premier plan, là, t'as Kirby. T'as le deuxième plan, t'as le troisième plan. Par contre, là-haut, après, c'est complètement pété. Hein, les nuages, waouh. Voilà, là, on a un petit peu d'effet. On a l'effet de blur aussi, comme d'hab. Chez Nintendo, c'est Légion. Ça reste propre. Bon, le foliage, j'ai pas ouf, ouf, ouf. Là, dans la forêt, on était bien, mais là, maintenant, une fois qu'on est dans la ville, c'est pas ouf, quoi. L'herbe, elle est derrière de la peinture. Mais ça reste plaisant. Là, la petite musique qui fait plaisir. Ah. Ok. Ah, un nouveau pouvoir. Ouh. On a aspiré. Du coup, je l'ai mis en automatique, mais comme t'as vu, hein. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Ah, c'est pas mal. Donc là, je suis resté appuyé sur le bouton B. Ce qui me permet de faire ce combo. Du coup, de pouvoir. Oh merde. Je commence fort déjà. Pouvoir me déplacer, je suppose. Voilà, super. J'essaye de... Bon, les commandes sont assez faciles à prendre en compte. En considération, c'est-à-dire que même si tu connais pas trop le jeu... Bon, je merdouille un peu avec A et B. Et voilà, quoi. C'est pas non plus la mort. Allez, vas-y, casse-toi, toi. Donc là, hop, ok. Ah, ça me fait penser à Mario, là. Dans le monde... dans l'eau. Délire. Donc on a vu qu'avec X, on avait des objets... Bon bah là je peux rien faire. Ouais c'était bien X hein. Hop. Objet en stock. Bah, moi j'ai pas d'objet en stock. Non. Je sais pas ce que c'est la fiole, c'est peut-être une jauge de vie. Par contre la chudée je l'ai pas. Donc j'ai pas ma jauge de vie, j'ai rien. Si j'appuie dessus, non, j'ai rien. Donc j'ai pas ma jauge de vie. Bizarre. Oula. Merde. Oh. Laisse-toi toi. J'aurais bien aimé en aspirer un. Donc je crois que je peux quitter ça. Voilà, je l'ai quitté. Donc là, j'ai appuyé sur Y. Et du coup, lui, je vais l'aspirer. Si j'y arrive. Voilà, c'est fait. Ah, par contre, ouais, on a bombe avec la E. Ouais, la chute est arrivée là-haut. Ok. Et là, je peux envoyer patate. Ok. Ah, c'est la vie. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc si ça touche pas d'ennemis, ça fait rien. Normal. Là, je peux voler quand même. Et la musique est plaisante. Je le redis, mais la musique est plaisante. Là, c'est joli. Donc là, on était en bas, je suppose, tout à l'heure. Ouais, ça a l'air d'être ça. On était dans le... Hop. Là, il y avait un truc, là. Alors, est-ce que je peux... Ouais. Ouais, excellent. Du coup, je peux faire ça. Ah, merde. Bon, ok. J'ai réussi. On peut manier le truc. La bombe. Voilà, tu peux pas tomber, c'est impeccable. Il manquerait plus que ça que je tombe. Petite carotte qui redonne de la joie. Bah ok, là je suis derrière. Voilà. Là je suis derrière, arrive au moment où... Donc là... Super. Ouais, c'est vraiment... Ah, puis je peux jouer au ballon avec. Les câbles. C'est vraiment, vraiment kawaii. Hein. C'est joli et tout. Rien à dire. Ah, c'est vraiment plaisant. J'espère que la démo est longue, qu'on puisse en profiter un maximum. Dites-moi dans les commentaires, là, déjà, au niveau de ce test play démo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très important. Pareil, vous pouvez retrouver le jeu. Je vous ai mis un petit lien dans la description. C'est un lien Amazon, donc c'est affilié. C'est pour soutenir la chaîne, voilà, tout simplement. Ce qui me permet d'acheter les jeux après. Tranquillement. Voilà, donc je vous force pas, vous faites comme vous voulez. Si vous l'utilisez, vous l'utilisez. Mais il y a le lien vers le jeu. Donc là, je suis devenu une voiture. Magnifique. Donc il y a des options comme ça qu'on ne retrouvait pas dans les autres opus. Ce qui ouvre le jeu, le fait que là, bah, ils sont... C'est un peu un monde... Bon, c'est pas un 3D monde ouvert total. Ah, donc là, je peux sauter avec A. Super. Et... Ah, j'ai un boost, d'accord. Bon, bah, j'aime bien le boost. Ok, bah, ça laisse d'autres dynamiques. De nouvelles opportunités sur le jeu. Impeccable. Ça fait plaisir, ça change, hein. D'être une voiture et tout ça... Ça, bon bah pareil, la voiture elle est facile à prendre en main, ça fait plaisir. Et du coup c'est vraiment adapté à tout le monde hein.
que tu sois casual gamer ou hardcore gamer, tu peux te faire plaisir en jouant à ce jeu là quoi. Okay. Voilà, ça se fait tout seul. J'ai vraiment aucun problème de maniabilité. Et il me fait super penser au jeu Mario quoi. Ok, là j'ai déjà terminé. Putain, c'est rapide quand même. Bon, après, j'ai mis en mode easy. Ah, on va du monde à sauver. Là, on voit que ça scintille un peu quand même. Et au fond, c'est pas clean clean. Hein. Après. Donc là, je vais pouvoir. Ouais, ça sert à rien que je reste comme ça. Ok. Je peux rien faire. Non, je sais pas pourquoi. Ok, on continue. Putain, ça va vite, hein, ça enchaîne, là, des cinématiques et tout. Par contre, les cinématiques sont belles. Là, on voit, hein, au niveau... Là, on voit l'herbe, là. Ce qu'on voit pas dans le jeu. Là, dans la cinématique, on l'a, tu vois. Oui, j'ai un petit renard. Et ils les ont capturés, donc ça, c'est les méchants. Ah, ça, c'est quoi? Je sais pas. Quelqu'un qu'on va sauver. Il n'y a pas trop de paroles. Il n'y a pas besoin. On s'éclate comme ça. Ok, donc lui, il va falloir aller le sauver. Enfin, lui ou elle. C'est pas. Là, j'ai ma vie. Ok. Moi, je veux pas trop avoir de mal avec les bombes là. Voilà. On est partout, faites tranquille. Voilà, c'est fait, tranquille. Ça passe tout seul, c'est crème. C'est super kawaii. Ok. Ah, je m'éclate pas. Du coup, on retrouve la petite jump. C'est super plaisant à jouer. Franchement, la manette en main. Piouf, tu m'as sauvé. Je te remercie. On sait pas comment elle s'appelle. Mais que vont devenir les autres? Les Weddledies. On a tous été capturés et emmenés. Je ne sais où. Nous avons combattu ces bêtes aussi vaillamment qu'on a pu. Mais il en arrivait toujours d'autres. Maintenant, je suis le seul rescapé. Il faut que j'aille les sauver. Je n'ai pas le choix. Ah, du coup, bah, c'est Kirby qui va se taper là. Quoi? Tu vas m'aider à sauver tout le monde? Mais c'est formidable! Alors, tu t'appelles Kirby, c'est ça? Moi, c'est... Elfiline. Ravi de faire ta connaissance. Ravi. Ah, impeccable! Ah, c'est super coloré, c'est... verdoyant et tout. Ça fait plaisir. Allez, deuxième monde, toujours en mode brise. Je vous laisse le mode ouragan, moi je suis un petit joueur, hein, vous le savez. Au niveau des temps de chargement, c'est relativement court. Ça en fait super plaisir. Vas-y, viens par là. Vas-y, je t'abeur. Hop. Hop. Incroyable. J'espère qu'on va avoir le droit à des petites transformations. Ah, un nouvel ennemi. Allez, viens là, toi. Oui, super. Du coup, je peux faire quoi avec lui? Hein, c'est un boomerang. D'accord. Wow, c'est énorme ça. Là, je reste appuyé sur le bouton B. Ah mais ça sert à quoi de faire ça? D'accord. Ok. On y va. Donc là, il y a un truc là. Ça se fait vraiment tout seul. Bon là, on est dans le mode démo et puis en cours d'apprentissage. C'est un peu le problème quand tu testes un jeu et que tu fais les premiers niveaux. C'est toujours assez facile au début. Après le jeu. Ouais, j'aimerais bien que. Viens par là. Ah oui, d'accord. Ouais, comme c'est un boomerang. Tac. Petite part de gâteau. Mais du coup, j'avais full life. Donc ça sert à rien. Et une canette. Je peux rien faire avec la canette. Ouais, ça me donne une pièce. Ah, il y a un truc là. Est-ce que je peux le péter ça? Non, je peux pas le péter. Ok. Ah, je peux me transformer en ça. Écoute, on va abandonner ça.
et on va aspirer ça. Oula, maintenant je suis un distributeur automatique. Oh, c'est porte-nawak. En tir automatique. Un distributeur automatique en tir automatique. Sympa. Allez hop. Là, il y a des trucs à récupérer, il y a de la boisson à récupérer. Super. Ça sent l'ennemi ça, non? Peut-être de récupérer un mort de la bouffe comme ça là. Ça donne quoi ça? Là je peux péter, ok. Ouh! Il y a des pièces. Ah, il y a un truc là, une boisson énergisante. Donc le jeu sur Amazon il est à 51 balles et là sur l'eShop j'ai la feuille devant moi. Elle est à 59,99€. Du coup il y a... Ah je peux pas aller par là. Je verrai après. Ok. Ah ouais cool. Dans la moula. Un peu d'argent. Ah franchement pour les tout petits c'est du bonheur, hein. C'est du régal. Hein. Okay. Du coup là il me sert plus à rien le machin. Et là j'ai un truc par là. Mais là je sais pas ce que ça donne. Ah j'ai quand même monté là-haut. On va voir ce que ça donne. Attends. Ouais non c'est pas grave. Ah oui bah voilà ok. J'ai bien fait de monter l'eau. Ah il y a des Kinder Surprise. Wow Kirby s'est fait sponsoriser par Kinder Surprise. Le délire. Là il y a un truc. Parfait. Oh on a un ennemi. Un petit ennemi. Oula oula oula. Il va me péter lui. J'aimerais bien le buter. On va aller chercher un petit Mratou. Hop. On va aller chercher le taureau. Donc là, là. Ah non, je peux pas tourner la caméra à 360, c'est vraiment dommage. Ça c'est fait. Ouais, c'est dommage la caméra là, qu'on puisse pas tourner. Oh, le son dans les oreilles, il est bon. Je sais pas si vous le savez, mais depuis le début, moi je suis toujours avec un casque dans les oreilles pour avoir l'immersion totale. Et là, franchement, ça fait plaisir. La démo a l'air d'être assez longue. Ah, on est bien sur... Putain... Je fais n'importe quoi. Allez hop, casse-toi toi. Voilà, je vais être une bombe moi. Je suis une bombe bébé. C'est de la bombe bébé. Ah, donc là il y a ça. Mais casse-toi toi, mais casse-toi. Éviter de perdre trop de vie. Ah. Ah du coup on va se transformer en cône là, c'est ça? Un tourneau de cône. Ah faut que je la sorte. Purée. On se transforme vraiment en tout et porte-navec. Hein. Ah d'accord. Pour faire des trous. Donc là il y a une barre, mais je sais pas à quoi ça sert. Là j'ai vu une barre là. Non mais ça sert peut-être pas à grand chose. Non, ça sert à rien. Ok, bah écoute, on était une voiture, maintenant on est un cône. Je sais pas ce que nous réserve l'aventure, mais du lourd. Et je prends vraiment mon pied à jouer. Ok. Ah, j'aurais peut-être pas dû le tuer, j'aurais peut-être dû prendre son pouvoir. Tant pis. Ah, il y a une brèche. Ok. Oh, nickel. Récupère un peu de vie. Allez, trois en même temps. Mais ça, c'est pratique par contre. C'est super pratique. Hop. Et on récupère ça. Ok. Ouais donc c'est pas totalement un monde ouvert, on est quand même en mode couloir, mais ça empêche rien. Et là je l'ai ouvert. Deux tulipes sur... Ah d'accord, il y a des tulipes à ouvrir. Donne ça le point. Là, je me fais un petit chemin pour éviter les emmerdes. Là qu'est-ce qu'il y a par là? Ah. On va y aller. Et on... Impeccable. Je m'y attendais pas. Encore un Kinder Surprise. Du coup, je suppose qu'il va y avoir pas mal de produits dérivés et tout ça qui vont suivre derrière Kirby le monde oublié. Donc on va pouvoir le lâcher, j'en ai plus besoin. On a vu déjà deux pouvoirs, plus la voiture et puis... Oh, tiens. La voiture et puis il y avait quoi encore? Le cône. Ah, je vais aller le sauver. C'est un petit ami. Ouais je vais prendre ça, j'aime bien celui-là.
Ça se laisse... Oula, une arène. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Deux monstres. Ok. Vas-y, j'en ai partout moi. Ah ouais, les bombes, par contre, ça fait rien. En fait, le mieux, c'est de prendre les étoiles, quoi. Ah, ça va durer des heures, là. Je me suis fait péter encore en plus. Ouais, c'est un Kirby, quoi. Ouais, lui, il est un peu con, là. Ça va le faire. Mais moi aussi, je suis un peu con. Oh, ça va être con, hein. Le péter avec les bombes, moi je sais pas si le boomerang ça aurait été mieux, mais du coup le si tu veux vraiment le faire rapidement c'est de prendre ouais vas-y, de toute façon il va être mort avant, il n'y a pas trop de vie. Ah oui quand même, voilà c'est ça. Ah, j'y suis allé comme un bourrin, bon, c'est pour la vidéo, mais sinon le mieux c'est peut-être même pas de prendre le pouvoir, c'est carrément de prendre les étoiles pour être tranquille. Vas-y c'est bon, casse-toi. Oh j'ai une épée. Ah, attends. Nickel! Donc on a sauvé un Weddle Diz caché. Perfect! Écoute, impeccable. Donc là, ça fait à peu près ouais, une vingtaine de minutes hein, que je suis avec vous. Donc on continue. Donc on va se taper la démo, tranquille. Ok, là je l'ai eu. Perfect. Pff, il m'a mis ras là, ça. Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Là, du coup, je récupère un peu de pouvoir. Pouvoir qui fait du bien. Ah, c'est quoi ça? Oh, il semble que tu puisses aspirer ce gros objet sans abandonner ton pouvoir actuel. Essaie donc de t'approcher de l'objet, puis d'appuyer sur B pour voir ce que ça donne. Ok, je me suis transformé en... Ah, d'accord. Ah, il y avait un... D'accord. Ok, un deuxième. Il y a pas mal de choses cachées. Intéressant. Du coup, si tu les trouves pas, t'es obligé de recommencer le niveau jusqu'à temps de les poncer, les machins. Ok, attends, parce que là, je sais même pas ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Ouais. Je vois pas ce qu'il faut faire, là. Non, là, je vois pas. Franchement, je vois pas. Par contre, les objets machins, je vois pas non plus ce que c'est. Putain, je sais pas ce qui... Ah, d'accord. J'ai pas fait... je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Bref. Je peux pas vous dire sur quoi j'ai appuyé. Oh, lui, il a pas vu, là. Oula. Une autre tortue. C'est pas vraiment une tortue, là. Elle va me bouffer, elle. Si je fais pas attention, elle me bouffer. Hop. Ça, c'est fait. Là, je le défonce. Donc là, elle tourne au ciel. Ah, ouais, d'accord, il y a un cône, il faut que je me transforme en cône pour aller là-haut. D'accord. J'aurais vu le machin. Ça, c'est fait. Donc 3 sur 5. Oh putain. Mais je vous parle et je fais même pas gaffe. Je me suis fait défoncer. Bon, ça va, hein. En mode easy. Ça le fait tranquille. Par contre, ouais, il est super, super speed. On se fait pas chier, on n'a pas le temps de se faire chier. Ça enchaîne. Je pense que ça fait super plaisir. Hop. Voilà. Donc du coup... Attends, du coup, je fais comment, là? Ah oui. Ok. Et je me retransforme. Ça sert à rien que je reste en cône. Mais non! Attends, ah, je peux être les deux, là? Non. Ah ouais, je peux être les deux. Ah bah, j'en ai sauvé trois. Parce que du coup... Attends. Expulser quoi? Ah ok. Ah je peux être les deux. Ah bah ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh shoot-up. Bon, dis-moi dans les commentaires si tu vas l'acheter ce Kirby. Allez vas-y, casse-toi. Non tu vois, on voit un petit peu l'herbe, mais c'est pas ouf. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais... Ça c'est fait. Ah, ça c'est bon. Il va me manquer. Il va m'en manquer une. Ah. Quoi, je pourrais... Ah oui, d'accord. Je t'aspire. Ça serait d'art d'utiliser l'épée plus le cône.
On tourne. Oula. Oh, ça pue ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Merde. Ça, j'avais pas vu ça. Comme ça. Oh, putain. Vas-y, viens par là, toi. Merci. Là, je récupère quelque chose. Ah, d'accord, c'est lui qui le pète. J'espère que j'ai bien fait tout comme il faut. Parce que comme j'ai pas vu ce que je faisais. Ah, c'est super beau là. One can dance some praise. Et je passe, j'ai pas de sponsor sur Kinder. Hein, je tiens à vous le dire. Et là, j'ai sauvé 3 potes. Bon, après, je sais pas quoi ils servent les oiseaux là. J'ai sauvé tout le monde, je crois. Hein. Ok, stage terminé. Waouh. Ah, par contre, il manque une tulipe. Oh, je suis deg. Rapide. Ah, j'aurais pu faire un 100%. Ok. Petit Kirby. Kirby se fait aspirer par un mystérieux vortex apparu dans le ciel au-dessus de la planète Pop. Le monde où il vit, revenu à lui, il découvre qu'il était dans un nouveau monde. Ce passage en vortex a aussi fait gagner à Kirby un tout nouveau pouvoir mystérieux. Voyons vite à quoi il peut servir en route vers l'aventure. Ok. Bonne tomate. Maxi tomate. Plein de nutriments, le maxi tomate permet à Kirby de restaurer toute sa santé. Nul ne sait si elle existait déjà dans le nouveau monde ou si elles y sont arrivées via le même vortex que Kirby et ses amis. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'elles sont délicieuses, même la meute de bêtes. 3. Le cap ça. Allez, on a sauvé tout le monde, on se barre. Ouf, un dernier monde. Allez, vas-y, on se fait plaisir. Le dernier monde, je suppose. Déjà 3. Je suppose, de l'aventure. Déjà 3. Ouais, on est sur 30 minutes. 30 minutes de game. Ouais, ouais, c'est à peu près le time. Hein. J'ai jamais vu vraiment de démo qui dépassait plus. Il y a un petit chiant là. Elle vient par là. Allez hop, ça c'est fait. Donc là, est-ce que je peux aller par là? Alors là, j'ai un mur invisible, je peux rien faire. Okay. Je peux pas aller là-bas. Ouais, j'ai des bonnes. Là, il y a rien à faire. Ok. Ah, je pensais vraiment qu'on pouvait bouger la caméra comme on voulait, mais du coup... Bon, c'est pas trop gênant. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, prends la dernière, là. D'accord, il s'est fait le plein, là, direct. Ok, bon, il n'y a pas d'ennemis. C'est quoi ce bordel? Ouais, on va reprendre les bombes. J'aime bien les bombes. J'aime bien l'épée aussi, hein, mais là, il y a la glace, mais je vous laisse découvrir. Il n'y a pas de spoil sur tout. Si tu veux voir. Casse-toi. Oula! Coucou, je suis là! Est-ce que tout me voit? Oh, tu m'as pas vu, il m'a pas vu. Oh merde, il m'a vu. Ah, il m'a serré le con. Putain. Oh merde. Oh la tête, vous avez vu? Excellent, comme dans l'intro. Vas-y, tu crois que tu vas me faire peur toi ou quoi? Donc là, il a des poteaux à moi autour du cou. Ouf. Ça fait rien par contre. Ouf. Ah par contre là ouais. Je pense qu'on a... Il y a plus de matière avec les... Ah merde. Non c'est pas drôle ça. Ouf. Je peux pas les aspirer je crois. Non je peux pas. Après il faut que je joue comme un cinglo parce que je pourrais faire... Ouf. Pas ça. Oh putain, mais deux tartes le con. Vas-y, viens par là. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Tu contestes. Oh purée. Vas-y, on va le faire comme ça. On va essayer avec ça. Ah ouais, ça envoie patate là. Ah, ça va être un peu plus chiant, mais du coup, ça va augmenter un petit peu le gameplay. On va voir un peu ce que ça donne. Ah non, il fait quoi là? Il fait le tourpille le con, il va me niquer. Ah non, non, je veux pas recommencer le jeu moi. Ah nickel, ok. Oh merde. Ah, j'ai pas le temps de la prendre. Oh putain. Oui mais il met sévère là. Putain.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, tu vas pas m'avoir deux fois. Hein. Mais non, mais le temps! Ok, ça va me baiser là. Ah, faut que je m'éloigne à chaque fois que je vois ça. Mais faut pas trop que je m'éloigne non plus parce que du coup, il y a les étoiles à récupérer. Et j'aimerais bien en péter deux. Putain, t'as vu un peu le game? Ça a duré longtemps là. Ouais, esquive. Allez, encore une et ça devrait être bon. Vas-y, je la joue comme ça, moi. Je suis en ouf. N'importe quoi, je fais porte nawak. Allez, c'est bon, il est bon. Impeccable. Du coup, là, on a bien vu hein, qu'avec les étoiles, c'est vachement mieux quand même. Ça va vachement plus rapidement, mais par contre... tu te prends marre. Ah merde, on a déjà terminé. Ah, ce que je vous ai dit, hein, 30 minutes, voilà, on y est, on est dans le time. Bon bah du coup, c'était la présentation de Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch. Il est disponible sur l'eShop à 59,99€, disponible dès le 25 mars. Et je vous ai mis un petit lien affilié, c'est-à-dire que bah, si vous passez par mon lien, je touche une petite com, et ce qui me permet à moi derrière de racheter des jeux sur Amazon via un coupon Amazon, voilà, tranquille. C'est histoire d'eux. Donc pour moi, personnellement, ce Kirby et le monde oublié, il est pas mal. J'aime bien, super dynamique, la musique est super aussi dans les oreilles, impeccable, y a rien à dire. Et là on voit un peu plus de gameplay, toutes les possibilités qu'on peut avoir dans le jeu. Donc du coup c'est pratiquement bah, infini quoi. Voilà, il y a plusieurs possibilités et là c'est super intéressant et ça évite la monotonie surtout. Au niveau maniabilité, il n'y a rien à dire, hein. J'ai pas trop galéré. Les boutons je les ai eu instinctivement en 30 minutes de gameplay, ça l'a fait quoi. Après l'HUD bon il est pas tout le temps présent donc tu sais pas où en est ta barre de vie. Quand t'es avec un monstre tu le vois. Bon voilà, il y a pas mal de trucs là par exemple, ouais ça c'est la découverte aussi, les Kinder Surprise. Donc et là on découvre encore pas mal de choses. Et donc ça donne super envie. Donc là il y a des constructions, on va certainement faire des constructions. Ouais voilà. Et des nouveaux pouvoirs. Donc là ça spoil pas mal, c'est un peu dommage. Et du coup on s'attend plus à grand chose. Tout a été spoilé. Mais voilà. Sinon au niveau. Des intros et tout ça, des entre-deux et tout, des cinématiques, franchement il n'y a rien à dire, hein, c'est super beau, on a l'impression de rejouer à un Mario, mais en mode Kirby, donc ça a été travaillé, hein, avec Kirby, Nintendo, ça évite des bouses qu'on a quoi, ce qui est vraiment dommage c'est que Nintendo sorte pas plus de jeux comme ça, pour nous faire plaisir avec la Nintendo Switch, et là je joue en mode docké, donc une fois que tu l'as sur ta console portable, franchement ça doit être un pur régal, ça fait plaisir. Enfin voilà, j'ai pas te spoiler plus. Je te dis à la prochaine sur la Gata TV. T'as eu mon retour, n'hésite pas à le prendre, franchement il fait plaisir. Et je pense que la durée de vie va être assez conséquente sur ce jeu-là pour se faire plaisir. Voilà, à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.